Sympa les résumés comme ça, si t'as loupé le truc. Ouais, ça je sais. Par contre, j'étais arrivé bien plus loin que ça. Voilà, petit résumé. T'as dormi? Ouais, t'as dormi jusque 16 heures. Ah, t'as commencé The Boys. Est-ce qu'il est bien, The Boys? Pas qu'il est bien, mais parce que moi j'ai bientôt fini The Flash. Voilà. Bon, là je stream sur OBS directement, je stream pas sur Facebook. Donc normalement le rendu devrait être plus beau. Parce que OBS tire la route comparé à Streamlabs OBS. Franchement, oui. Bah écoute. Écoute. On va se laisser tenter. Bon, allez, on va aller. Allez, continuer. Et j'ai l'impression que j'ai une vague de chance en ce moment. Ça arrive, hein, il y a des moments comme ça où tu te sens châteux. Vous vous souvenez de Final Fantasy VIII Remastered? Bon, la clé a été. Le truc. Mon truc a été ignoré. Ma commande a été ignorée et j'ai pas été débité. En gros, imagine l'univers d'ici et tu le rends moins bosco. Et esprit héroïque. Ah ouais? C'est un peu les Deadpool de DC quoi. Et donc pour en venir, hier je vois quoi? Promotion sur toutes les licences Final Fantasy. Bah chouette! Du coup, bah j'ai eu FF8 Remastered à 10 balles. Et j'en ai même profité pour prendre Lightning Returns parce que je l'avais pas. Qui était aussi pas très cher. Les musiques de combat sont entraînantes. Ça fait. Oui, j'ai fait carrément une meilleure affaire. J'ai fait carrément une meilleure affaire. Après, j'ai regardé si d'autres sites ne s'étaient pas alignés par rapport aux promos Steam. Ça arrive, hein. Bon, il n'y avait pas l'air. Il n'y avait pas l'air, donc du coup, je les ai touchés moins cher les jeux. Et ça, ça fait plaisir. Bon, allez, let's go. Oh! Well, now she's all flustered. Merde! Je me fais agresser! La majeure partie du temps, les soldes de Steam proposent des meilleurs que les sites de clés. Oui, la majeure partie du temps. La dernière fois, non. Par exemple, Instant Gaming s'était aligné. Aligné, voire même mieux. Ce que je disais, il y a un truc ici. Capsule expérimentée, qu'est-ce que cela? Ouais, inventaire, qu'est-ce que. Un médicament expérimental qui agit sur le système nerveux par nanotechno. Je crois que lui il me donne une clé. Ouais, c'est la même quête. Bon, allez, on va rentrer par le tunnel. D'accord, bon, on rentre pas tout de suite. Ok, pas de soucis. Get him now.
D'ailleurs, j'avais un fragment. Ok. Et souvenir du destin, union mystique, récupérer les deux capsules. C'est vrai que j'ai les deux capsules à récupérer. Bah, je les avais récupérées, je suis con. Putain, je suis un peu con, moi, non? Allez, go! Et hop là, putain, ça nettoie hein. Oh, en revenant. Ouais, désolé pour hier. Hier, j'ai totalement un contre-temps. J'ai eu un contre-temps. Voilà, point barre. Et, vous avez pas à savoir pourquoi on n'est pas mariés. Non, mais c'est bon quoi. Poser des questions comme ça. Encore une capsule expérimentale. Ah, j'ai accès à mon attaque spéciale. Hop là. Too easy. Comment ça, on n'est pas mariés? Notre relation est plus forte que le mariage. 391 heures. Putain. Yes, des boulons universels. Je vais pouvoir les foutre dans le cul du petit droïde pour l'améliorer. C'est pas comme ça qu'on fait? Comment ça, c'est pas comme ça qu'on fait? Je suis désolé, c'est comme ça qu'on fait. S'il vous plaît. Voilà, ça va aller très vite, hein. Et voilà. Too easy. Tu verrais la gueule de mon navigateur, qu'est-ce qui se passe, Sat? D'ailleurs, Satsuk, grosse promo sur la licence Square Enix, enfin Final Fantasy, du moins, sur Steam, si jamais tu es intéressé. Un petit tour dans le Crystarium de Nono. Ouais, j'ai un peu augmenté ça en Saravageur, ce qui fait pitié. Ah d'accord, ouais tu dois être bien Allez foudre 2. Je vais mettre des points en attaquant parce que je suis à la bourre. Alors, 4 sites. 4 sites quoi. Allez, on le fait augmenter à fond. C'est quand même le healer pour l'instant. Il va être important. Lui, ouais. Je regarde s'il n'y a pas un autre qui pourrait être bien. Que le mini droïde. Il fait quand même foudre, il y a quand même pas mal de robots dans le coin. Necton. Ouais, on va garder le mini droïde. Ouais, bah, genre 4 minutes. Peut-être pas 4 minutes, mais bon. Au pire, ces trucs-là, on les drop assez souvent. Les premiers niveaux, c'est pas si grave que ça, quoi. C'est pas de la perte. Ouais, je vais récupérer des trucs assez mieux. Ouais, bon, c'est pas grave. J'ai l'impression que, voilà, que c'est mon équipe Pokémon. Donc voilà, laisse-moi un peu... Laisse-moi un peu profiter de mon équipe Pokémon. Des gouttes de magie. Qu'elle dit So about Alyssa, you think we can trust her? It does kind of feel like she's using us, huh? That's okay. When I was a kid, I knew a guy around the same age. We didn't get along too well. He was always trying to get me to do his share of the work. Then one day he asked me to go hunting with him. I refused. I'd had enough.
enough of being bossed around. So he ended up heading out alone. Et il est mort. Et depuis ce temps, je m'en veux. Noel. So now I just do my best to help out. It's better than dealing with the alternative. That isn't fun. Tu peux te dépêcher un peu, oh, merci. Allez. Ah, Doom Eternal, y a beaucoup de gens qui rejouent à Doom en ce moment, j'ai l'impression. Bon après voilà quoi, c'est du bon du fouloir hein. If that's true, timelines must be pretty. Alyssa, when did these portals first appear? Well, no one can say for sure. It's like so they took everyone by surprise. What are these gates anyway? Alors, ces portails sont peut-être apparus dans différentes époques. Que sont-ils au juste? Ils sont vraiment pratiques. Qu'en pense l'Académie? On dirait des machines. Ils ont dû causer l'effet paradoxe. Qu'en pense l'Académie? What does the Academy make of all this? Everyone has their own opinion on this particular subject. Are they portals to another world or just basic teleporters? We know they have a powerful warping effect on the surrounding area's temporal stability. Ok, on a rien appris de l'autre. Well, that's because we are partners. Sometimes I see. Alors, genre l'histoire de Rush, je vais finir d'installer. Ça va un peu trop dans tous les sens à mon goût. C'est normal. En fait, Doom, ça a été fait. Déjà, le premier Doom, Doom 3D, a été fait pour aller vite. C'était l'un des premiers FPS gore, je crois que c'était même l'un des premiers FPS tout court. Et il a été fait pour aller rapidement, pour voir la limite de la config des PC à l'époque. Je sais pas si j'ai été très clair, même si j'ai pas été, je m'en fous. Elle va arrêter de nous parler, elle casse les couilles. What? What the fuck, man? Alors en équipement j'en suis oh, j'ai que 50 PA. Oh, c'est pas beaucoup. Comment je fais pour... C'est ça la carte, c'est carré. Ok, je suis là. Ok, on va rattraper au-dessus. Oula, les lésions, j'aime pas ça. Ça va très vite, c'est si bien que ça me donne mal au crâne. Oui, ça donne mal au crâne Doom. J'ai eu la même expérience sur Doom 2016. Comparé à un bon RPG où je peux jouer des heures non-stop, c'est exactement ça. D'ailleurs, en parlant de RPG où on peut jouer des heures non-stop, le principe d'un RPG, j'ai commencé Zestiria et j'aime beaucoup Zestiria. Ça change de Berseria niveau de combat. C'est un peu plus tactique, je trouve. Moins bourrin. Et ça me plaît plus Zestiria que Berseria, c'est con, mais après, j'ai pas fait l'histoire, j'en suis qu'au début, mais bon. Ouais, et puis le système des armatisations sont sympas. Là, j'ai débloqué la deuxième armatisation et quel plaisir. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, les monstres. Ok, les monstres, on s'en bat un peu les reins en fait. Toi, je vais t'augmenter. Hop,
falloir que tu tapes un peu plus fort. Augmente la magie du monstre organique. Augmente la force, la magie, les PV. Bah augmente la flé et tout quoi. Ah merde, ça a utilisé les trois. T'étais en train de dire que tu préférais Zestaria à Berseria. Bah pour l'instant oui. Après rien ne remplacera Velvet quoi. Alors bonus de soigneur ou segment ATB. Un petit segment ATB. Scandale. Après Berseria, le style de jeu est complètement différent je trouve. Ça va plus vite déjà. Et c'est tapé. Tandis que là c'est un peu plus tactique. Attendez, y'a rien ici. Non parce qu'on les connaît, les petits coins là comme ça. Ah t'as relancé Doom 2016 il y a quelques jours. Oui, il me semblait qu'on en avait parlé. On se voit plus bro, tu me manques. Tu me manques. Quoi? Le truc il apparaît sur moi, il me viole comme ça? Allez vas-y, sacro là. On retourne sur 7 Days to Die ce soir. J'aurais bien voulu, mais après mon stream, c'est soirée, soirée faire la cuisine à deux. Et plus. Et après c'est série, parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé ma série avec... avec Mago. Qu'est-ce qui se passe? Coupo! Toujours la même quête. Il s'appelle comme ça, Atlas. Ah, et là il est complet. We've detected a large energy surge in the center of the ruins. Another unknown device has appeared. Did the device appear along with Atlas? Atlas is a weapon built by humans. They must have designed a way to stop it. And that machine showing up is no coincidence. Right. Two choices. We try that new device and hope it controls Atlas. Or do it the old-fashioned way and fight him head on. On tirera un gros diamant. Regrets, no looking back. Alors, libre choix. Est-ce qu'on devrait combattre Atlas directement? Ou bien tenter notre chance avec cette machine? On peut demander à Mog. On peut suivre trou de balle. Je sais pas trop. Qu'en penses-tu, Alissa? Et dans Doom, le truc horrible, c'est que les armes me donnent aucun feeling et aucun impact sur les monstres. Ah ouais. Ah oui. Oui, c'est. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as l'impression que c'est de la chair à canon, quoi. Tu tires dans le tas et puis c'est tout. Tu peux pas combattre Atlas directement. Tu vas crever. Ok. Donc du coup on fait je te suis. Est-ce qu'on devrait combattre Atlas directement? Tenter notre chance avec cette machine. Bah c'est un peu con comme question. On te pose la question. Est-ce qu'on devrait combattre Atlas directement ou bien tenter la chance avec une autre machine? Et là la réponse c'est je te suis. Mais je te suis pourquoi? On va demander à Mog. Hey Mog, what do you think about all this? You know I have feelings, right? Prends ça dans ta gueule, Noël. Parce que
par la suite, tu pourras reset la timeline et combattre Atlas directement et obtenir la fin bonus. Ah, c'est cool ça! En fait, le jeu va être plus long que ce que j'avais prévu. Allez, on les tape parce que c'est des cons. Oh, il y a une fleur. D'accord. D'où le libre arbitre. Oula, 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 malheureux, va falloir se soigner. J'ai attaquant, ouais. Non. Good work, everyone. Ok. Des légumes, les pas de chocobo. C'est un peu le délire du jeu, il y a plusieurs combats que tu peux refaire autrement et obtenir la fin annexe du jeu. Mais tu peux pas le faire dès la première visite. Logique. Mais il y a combien de fins du coup? Il y a un plancton là. Too easy. Phoenix 3 potions, parfait, ça fait de l'argent. Bah, il y a la fin du jeu qui est la fin qui mène à Lightning Returns, oui. D'ailleurs, que j'ai acheté 7 balles, je crois, grâce au promo. Il était déjà à 15 balles, c'est déjà pas cher. Et là, il était à 7 balles. Alors, v'là, elle. On v'là. If it's the giant you want to take down, then take a look around. Ok. Il y a 7 fins ou une connerie du genre. Waouh, ah oui! Alors, accessoires, on va rien prendre. Catalyseur. Qu'est-ce que je peux vendre? Des potions. On en vendre 10. Des queues de phénix. Là, j'ai 9000 de thunes. Bon, en fait, ça sert à rien d'acheter pour l'instant. You know I'm counting on you. Everyone. C'est pas très, c'est pas des tenues adaptées pour la vente. Alors, il existe 8 fins paradoxales dans le 13-2. Celle-ci se déclenche lorsque vous décidez d'aller à l'encontre du scénario principal lors de combats contre certains boss ou lors d'événements importants à l'aventure. Ok, bon, on verra. Qu'est-ce qu'il est? Oh cool, lui j'ai envie de l'attraper lui. Bon, c'est pas bon côté du coup. Good work everyone. Nice. Les 4 boulons universels. On retourne là-bas. Qu'est-ce que je voulais faire? Oh, je sais plus. Allez, toi, apprends foudre. Monstre. Ah, je l'ai pas attrapé. Il va falloir le combattre plusieurs fois, je pense. J'ai pas compris ce qui s'était passé là. Ah, c'est la quête! Est-ce qu'on
on peut l'analyser. Indomptable, déjà ça c'est cool. Catsight ? Merde ! Ça c'est un peu con ça par contre. Fragment de gaz et 600 points. Et un pendentif étoilé, j'ai bien fait de rien acheter. Alors Crystarium 600 PC à dépenser, ça fait du bien. Catapultage important. Ouais, je vais mettre 2 points en ravageur pour la forme. Ok, bah j'ai plus de points. LOL. Tac. Tac. Un dialogue. Hey Noel, is Atlas used in some war that happens in the future? Let me think. Yeah, I remember this. Are you forgetting stuff? My memories are unreliable. There are events I should remember, but my memory is hazy, like I'm seeing them through fog glass. But not this time. I remember this one. There was a war, hundreds of years before I was born. That's when Cocoon crashed into Pulse. Alors, dans le futur, on raconte qu'une guerre aurait causé la chute de Cocoon. Tu plaisantes, ça s'est passé quand? Qu'arrive-t-il au pilier de cristal? Tu parles de ce qui est arrivé il y a 5 ans? Non, je pense que c'est à cause du pilier de cristal. But what happens to Cocoon's pillar? What happens to Lightning and the others? They say the pillar crumbled. In my age, there's nothing left but du sable de cristal, ça doit être beau. If we travel to the future, maybe we can stop it. Who's to say what's possible? That could be the reason we're here in the first place. C'est okay. Ah. Éclat de peau. Qu'est-ce que ça doit être pour les spécimens type plante, hein, je pense, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Inventaire, catalyseur. Ah non, pas du tout. Éclat de peau. Matériau. C'est un matériel. Un matériel, un matériau. Eh hey, mais il y a Biff le fantôme qui est là. Comment qu'il va, Biff le fantôme? Papa. Oh, c'est ça que je voulais faire, une petite sauvegarde. La dernière fois, ça a pué du cul si je crois que j'avais planté. Une casquette orange, bah c'est super. C'est super, ça ressemble à quoi? Monstre... Il est en train de grêler chez moi. Oh putain! Yes!
ça, quel plaisir. Oh non, c'est moche. Oh non, je peux pas. Non, mais là, tout, mais pas ça. Casquette, non, c'est moche, c'est trop laid. À la limite, ouais, le rouage, mais pas la casquette. Du coup, j'écoute ton live en regardant les gens courir dans la rue. Ça, c'est très drôle à faire, ça. Ah, il a lésion. Allez, c'est parti. Agression. Ok, bon, pas le temps de se passer en agression. S'il n'y a pas quelque chose là-bas. Non. Ah putain. Esprit d'initiative. Ok. J'ai eu un trophée. Merde. Est-ce que je peux le capturer lui? Il peut changer de forme, défense réduite en état de choc. Lui il est domptable et c'est un défenseur. Too easy. Je l'ai pas capturé. Ouais, je pense qu'il va y avoir un trophée à la con, genre capturer tous les monstres. Oh putain, à la Final Fantasy X, youpi, on se souvient. Oh, le temps que j'avais passé à tout capturer, incroyable. Le son de Dark Sasuke à chaque fin de combat, il est insupportable. Des gardes qui foutent rien ici. Il me semble que c'était ici que j'avais mon combat, je sauvegarde et on voit si ça crache. Faudrait que je capture le flit là. C'est un attaquant. Bah yes, je l'ai pas capturé. Une petite sauvegarde. D'accord. Bah au moment où je sauvegarde, ça plante. C'est bah c'est pas mal. T'as les DLC. Je sais pas. Je sais pas. Comment je peux le voir si j'ai les DLC? Déjà, qu'est-ce qu'il y a comme DLC? Et on m'a pas proposé de DLC pour le 13-2, hein. C'est quoi tes jeux qui crachent? J'en sais rien mec, j'en sais rien, je sais pas c'est quoi, en ce moment c'est de la merde. En ce moment Steam fait de la merde. Les autres jeux crachent pas, les autres plateformes crachent pas, mais Steam je crois qu'il est en train de cracher ses poumons. Va dans les costumes aux options. Bah j'avais des costumes ouais. Oh putain, va quand même pas falloir refaire la route. Là par contre si ça crache ici tout le temps ça va devenir chiant. Oui j'ai le bikini pour Sera, je sais pas si c'est ça que tu voulais voir.
Je viens de voir une vidéo de la chaîne Instant Gaming, une présentation de PD2. Ils sont un petit peu en retard, non? Tu vas dans les costumes. Tunique d'invocateur. Ensemble de plage. Mage blanc, donc. Apparemment, oui, j'ai eu le. Tous les DLC, comme tu dis. Et merci, Stacy! Ça fait plaisir! Putain, va falloir que je recommence quoi. Mais c'est super. Yes, bah yes. Tu veux plus de viewers? Ah oui. Ah oui, plus de viewers. Le mec te sort hein. Le mode c'est difficile, max c'est overkill. On va faire un braquage connu à de tous 4 magasins. MDR, l'overkill déjà c'est pas le niveau max. S'il savait le niveau max de difficulté. Putain, les 4 magasins quoi. Mais 4 magasins c'est une des maps les plus faciles. The reports say you handled that thief in the ruins. Je sais pas, c'est quoi ça? Qu'est-ce que. Ok, bah c'est pareil. Je te garde que 2 billets. Ah, je vois que Bifle connaît aussi Payday 2. J'ai sauvegardé. Si ça replante, là j'ai un problème de jeu. Ok. Ah bah yes. Mais t'as des mecs comme ça hein. T'as vraiment des mecs comme ça, ils ont fait 4 missions du jeu, ils pensent pouvoir se positionner sur une critique. Oh bah yes, j'adore les labyrinthes. Faut réfléchir quoi. Joue à Professeur Layton ou FF13-2 là. Je te sors. Il y a 4 braqueurs dispo, Dallas, Shane Wolf et Hawkstone. C'était dans le 1 ça bordel. Bah oui parce que. Il y en a un qui est en prison. Il me semble que c'est Hawkstone en plus. J'aime ce jeu mais cette merde n'a aucun sens. Alors attention, je vais découvrir cette merde. L'abîme qui s'étend entre les lignes du temps dissimule. Ouais, j'ai la flemme de lire. Résolvez l'anomalie. Oh, c'est ce genre. Attends, quoi? J'ai pas le temps de réfléchir, sinon ça se casse la gueule. Mais il y a plusieurs phases en plus. Mais c'est génial! En fait, il faut récupérer les cristaux. Easy. Tac. J'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Ah, si, en fait. D'accord. J'ai eu peur, je croyais que le jeu, ils avaient dit on recommence. The machine's working. Let's see what it does, yeah? Let's. Ah.
Un cristal délicat. Qu'est-ce qu'un cristal délicat déjà, s'il vous plaît? Ah, c'est dans les fragments. Ok, ça c'est les fragments. Savoir de Mox, souvenir de destin. Cessons de parler d'une mauvaise vidéo. C'est Instant Gaming, hein, ils veulent vendre leurs clés. Hein. Hope this actually lets us control Atlas. All we can do is pray. There goes nothing. D'accord, donc Atlas il est en PLS. Atlas il a bobo. Sans qu'Atlas commence à ralentir un peu. Yes, this could be our chance. D'accord. Il y a un passage ici, non? Ah non, c'est au-dessus. Sachant que le jeu de base est devenu obsolète depuis la sortie des Ultimate Edition, jeu de base plus de nombreux DLC qui coûtent à peine 10 balles. Ouais, c'est ça. Ils vont avoir du mal à vendre. Je sauvegarde en espérant que rien ne plante. Voilà. Est-ce que j'ai capturé le Hoplite? Pas du tout. Il me le faut. Le Hobbit, oui. Ah, je vois que le temps de réaction sur OBS est moins élevé que Streamlabs OBS. Good work, everyone. Vous allez écrire le mot que je vais dire pour voir un petit peu le délai de latence. Attention, mettez-vous prêt à vos claviers. Beat. Oh bah ça va, hein. Ça va, à peine 10 secondes first. Et moi je pensais pas à une beat comme ça, je pensais à des beats, l'argent, des beats. Que j'ai jamais reçu d'ailleurs sur cette chaîne. J'ai jamais reçu des beats. Beat, un beat de son. Alors, ok, bah bonne course. Je commence à avoir beaucoup de choses à dépenser là. Petit tour dans le Crestarium s'impose. Alors Noël, Noël ma mère. On met un petit peu de poids en défenseur parce qu'il fait peur. J'ai pas de poids en défenseur. Pareil pour elle. Voilà. J'ai rien à dépenser pour lui, par contre le mini droïde. C'est ok. Elle est là maintenant la vendeuse. Que de phénix. If it's the giant you want to take down, then... Alors, qu'est-ce que t'as à vendre?
Bah rien d'intéressant. You know I'm counting on you. À part son corps apparemment. Elle vend son corps pour vendre des objets. There he is. And not looking too happy. Comment ça? Mais... D'accord, il y a un combat qui se déclenche et finalement non. Et bah c'est parti hein. Ah il a plus de vie. Mal, hein. J'ai pas eu le temps. J'ai complètement pas eu le temps. Allez, passe en choc là. Merde. Allez hop, là tu vas douiller mon pote. Et voilà. Ok, super. I'm on it. Ok, what? Get here. No, look out. Move. Il a une sacrée force pour balancer une femme de 55 kilos, 60 kilos, je pense. Ready? Do it. Make for it. Now. Oh, sympa, il l'a transformé en lance. Bah voilà, c'est un perfect. Un fragment de cristal et un boulon universel x10. J'ai vu la même chose dans One Piece. Ah ouais? Je t'avouerai que One Piece, j'ai pas été très 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 loin. Ça se reconstruit. Oh stylé. Stylé du cul.
I wonder what caused the paradox effect. This is just a theory, but I think there might be someone out there derailing history and bending the timeline. That's why Atlas and these gates are appearing out of nowhere. Putain. Libre choice. Les paradoxes seraient causés par quelqu'un qui distord le cours de l'histoire. C'est peut-être un phénomène naturel. Bah oui, c'est pour ça que Lightning a disparu. Est-ce que Cocoon est détruit dans ton futur? Mais oui, on le sait déjà ça. Qui ferait une chose pareille? Bah oui, ça, c'est la question. Répondre une question par la même question. Demandez pour Light. Could this someone be responsible for Lightning disappearing? Could be. You remember your sister coming home, right? You have memories from before everything got twisted. But why only me? That's the question. We'll keep looking for an answer. 2500 PC. Alyssa, we took Atlas down. That place you were looking for is right in front of us. That's great news. I'm on my way. Okay. Okay. Fragment savoir de Mug. Bah je le savais déjà ça. Cristal délicat. Pète un plomb, jeu, non? Fragment d'Atlas. Libre choix, pourquoi? Je sais pas. C'est. T'as fait un résumé du libre choix. Qu'est-ce que je voulais voir aussi? Putain, il y a 7 viewers dans le chat. Mais ils attendent quoi les viewers pour dire. Pour faire un petit coucou comme ça? Oh! Ah oui, la casquette. Le fragment de cristal. Oh, c'est moche. Oh, c'est moche. Bon, vas-y, on va faire un petit tour dans le cristarium. Hein. Toujours en attaquant Noël. Toujours un plaisir. Férocité. Évolution. Alors, rôle tacticien, rôle soigneur, segment ATB. Écoutez, 20 points d'accessoires. Non, segment ATB, je pense. Ouais, il a déjà 5 segments ATB au début de jeu. C'est plutôt pas mal, je trouve. Alors, elle en ravageur. Aéro Impact. Ouais. Ma foi, ouais. Évolution. Un segment ATB aussi. Tac. Exaltation. Est-ce que vous la sentez l'aspect là? L'aspect ravageur et l'aspect attaquant. Ah, j'avais encore des points à distribuer. Ok. Et pour Cat Sight, comment ça se passe? J'ai pas les objets adéquats. Et pour le droïde, j'ai des boulons. Ok, j'ai plus de boulons. J'ai plié les boulons. Bah écoutez, c'est pas que j'en ai marre de Noël, mais je préfère quand même regarder le boule de serin. Ça, y a pas photo. Et là, on peut pas y aller. Bah c'est fort bien. Bah ouais. Quelle idée aussi. Quartier oublié de la ruine. Ah oui, le cimetière. Le fameux cimetière qu'elle parlait. There's an epitaph. An epitaph. Here lie the innocent victims of chance, cast out and cast down. May their souls find the path that leads them home. Cast out.
These must be victims of the Purge. This is it! This is the place! Abaddon. But that's not my name. Quoi? Then whose is it? Kobo. It's my friend's. She died here, running from the Purge. And me? I'm one of those who survived. 5 years ago, the entire town of Bodom, it was wiped out by the army. I was there, visiting my friend. Then everything went to hell. We ran and hid with the other fugitives. But just as the troops were pulling out, that's when the ceiling of our hiding place collapsed. Excusez-moi. Ever since then, I've had the same dream. I'm trapped under rubble. It's dark. I'm in pain. I can barely breathe. The next thing I know, I rise out of my body. And I'm standing before this grave. C'est dégueulasse. The name written on the stone. It's mine. After seeing that image so many times, I started to think that maybe I did die back then. And the life I'm living now is just an illusion. Alyssa, you feel that way too? Well, you seem real to me. Mais c'est une ordure, ce gars-là. À quel moment tu fais ça? Real enough, I guess. Even if they all forget, I never will. And neither will I. What the boobs? I can never forget. The events that scarred Alyssa were started by Lassie. If I had never become Lassie, if I had never made those mistakes, then the Purge, well, it may never have happened. Lightning, is there any way to make up for the suffering we've caused? Can we ever give back what we've taken? Trop de questions. Ok, c'est quoi ces trucs là? Ok, then. I think that wraps things up for Alyssa. Now for our little quest. Right. Let's find an artifact and open a gate. So, where should we look? Well, now we've cleared up the paradox effect. It's possible those sneaky artifacts have come out of hiding. Let's try searching those areas we couldn't reach. Time for some Mooko magic. Kaboo! Huh? Mog, you can help? You're a lifesaver. Kaboo! D'Arthur et de Kev Adams, bien évidemment. Alors. Non, c'est pas le Crystarium que je voulais faire, pas exactement. Bon, c'est pas grave. Un trèfle à quatre feuilles, hein? C'est trop bien. Qu'avons-nous là? J'examine. L'artefact Eclipse. Nice, Mog. Koopa Koopa. Je ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Thank you. You've helped me see that I can overcome any experience. Ok. Super! Ok,
Je parie que c'est accessible que par Chocobo. On parie combien? Cet endroit il est accessible que par Chocobo. Je vais chercher l'autre artefact qu'il y a là-bas. Et on va s'occuper du Chocobo. Ah à moi... bah non, je peux le descendre quand je veux, il se barre pas, c'est vrai. C'est à quelle touche déjà, LB. Left back. Ouais c'est ça. How to sauter. Je veux sauter. Mais nique-toi. Graphiquement FF13 à 10 ans d'avance. FF13 2 à 10 ans de retard. C'est vrai que maintenant que tu le dis, le 13 est un poil plus beau. Après, il y a aussi l'effet de découverte qui fait que voilà, on était un peu ébahi. Mais Koopa, je veux descendre. Mais tu bouges pas. Come on, Mark. Way to go, bobblehead. Koopa, now for the gate. Ok. Fragment. J'ai un nouveau fragment. Non, pas du tout. Mais comment on peut savoir ça sert à quoi? Je comprends pas. Je comprends pas en fait. On nous donne les objets, mais on nous dit pas à quoi ça sert. Artefact. Saut de départ. Artefact. Un projet. Quoi? Ressemblant à un projecteur. Une pierre artefact à l'état brut qui servirait à ouvrir un portail de cristal. Une main gauche mécanique conçue pour une précision qui dépasse l'entraînement. Je comprends pas. Non, mais il va pas bouffer mes légumes comme ça à chaque fois. Je t'en ai déjà donné un tout à l'heure. Mais il est serre lui. Ça te permet d'ouvrir les portails temporels. Ouais, ouais. Genre celui-ci qui n'existe plus. Ah, il est là. Mais à quoi sert ce portail? C'est quand même vachement mieux quand il pleut pas. Hein. Oh, j'ai réussi à passer. Il y a un truc ici. Chocobo. De force. Par contre, il va bouffer tous mes légumes, ce con. Le cœur de Graviton Beta, fragment obtenu. Cœur de graviton. Qui c'est lui? Ouais, quel rêve de folie. J'ai pas vraiment pigé ces histoires de portails, artefacts, mais les désirs de grands sont. Dois gérer la situation d'urgence. Un médicament expérimental a disparu et doit être retrouvé au plus vite. Récupérer les deux capsules contenant le médicament expérimental et rassurer le capitaine. Bah, ça, je les ai eu les capsules expérimentales. Je vais pouvoir aller lui rendre. Du coup, y a plus de combat ici, c'est nettoyé. J'ai rien dit. Merde! Ouf, elle a bugué. Elle a bugué dans les airs. Ha!
Okay, nice. That wasn't even a warm up. Une goutte universelle. Ah, du coup, j'aurais peut-être pu aller là-bas avec mon chocoboule. Ah, oh, mais tu fais chier, toi. Allez hop. Oh, il aime pas quoi lui? Le vent. Est-ce que j'ai du vent? Glace, foudre, feu, air. Oui. Alors fais que ça s'il te plaît. Air, aura impact. Et voilà. Nier Replicant Remastered ou Remake, je sais pas quoi, le 23 avril 2021 sur PS4, Xbox et PC. Très bon à savoir parce que des Nier j'en ai jamais fait. Oh, j'ai chopé un Dendrobium, qu'est-ce que c'est que ça? Et les Nier, j'aimerais bien les faire les Nier. Alors, Pokémon. C'est un saboteur, tiens, c'est intéressant. Ça peut être intéressant. Mais comment on peut voir ces attaques? Prometteur, anti-oubli, doux. Mais doux. Autre information. Très bien. Faisons comme ça. Résistance, foudre, ok. Rafale de griffes, soin. Ok, toi t'as ça. Toi t'as quoi? T'as sort multiple, foudre, électro-impact. Injection nocive, poison. Mais c'est super intéressant ça. Nier Automata, il y a tellement de gens qui n'ont pas compris qu'à la fin. Ah, n'était pas la fin du jeu. Ok. Bah écoutez, je pense que je vais m'équiper de ce qu'on a. D'ailleurs, comment on fait? Stratégie familier. Tiens. Et on pourrait le mettre où? Ça j'aime bien parce que c'est pas mal. Cut set, je vais le garder là ici. En fait ça c'est mes trois principaux. Attaquant j'aime bien aussi. Attaquant, défenseur, je trouve pas ça super utile. Mais bon, je peux pas m'en séparer. Parce qu'après tu recommences le jeu avec l'autre personnage pour obtenir la fin B. Ah oui, donc le jeu tu le fais deux fois et ensuite enchaîner par la suite du jeu et obtenir la fin C, D, E. Putain le bordel! Le bordel! Bon, on va voir ce qu'il vaut et après peut-être on l'améliorera ce... Ce Pokémon. C'est cadeau, en fait. Ok. Tout ça pour 100 PC. Yes. Je suis un peu mad en fait. Je suis un petit peu deg. Souvenir du destin. Union mystique. Bah. C'est de la merde. Bon, très bien. Du coup, le portail, à quoi sert-il? euh,
Voulez-vous emprunter ce portail temporel en ouvrant avec l'artefact Eclipse? Ouais. Et ça va me débloquer quoi? Yes, yes, it worked. Popo. Sir, you okay? Popo. It's nothing. I'm fine, really. Just tired, I guess. Hmm. Right. Somehow I kind of doubt it's nothing. Je débloque plusieurs choses. OK. D'accord. You unraveled the paradox and continued on to another time, another place. But why had these gates appeared? Who had tangled the timelines and for what purpose? We still didn't know. Why am I able to fix these temporal anomalies? Bend monsters to my will? Why do I have this power at all? I'll keep traveling with Noel, knowing that we'll find you eventually. So Lightning, if you're watching, do what you can to guide us to your side. C'est d'un bordel. Mais là, j'aimerais bien savoir dans quelle temporalité je suis. I hope we land right in the place where Lightning is waiting. Where do you think we'll end up this time? The future? The past? I have no idea. With all this jumping back and forth, I'm not sure I know which is which anymore. But the past is what makes us who we are. Defines us as people. The future that we're aiming for, that's the thing we can change. No matter how bad things have been, without that past, I wouldn't be who I am now. That makes sense. So Sarah, you shouldn't feel like you're wasting your time. Even if we don't arrive in Valhalla, there's still value in every path we take. Yeah, I guess you're right. But hey, I won't complain if we do end up there. All this running around is exhausting. Hey, make up your mind. Just be honest with yourself. If you are, you'll be sure to arrive in the future you want. Sarah, forgive me. That was a past you never should have had to deal with. But now, because of your courage, the timelines have one less knot to unravel. If I could, I would thank you for what you have accomplished. But I can't. Not just yet. Okay! Le mont Yamcha. Par contre, j'aimerais bien retourner là-bas. Ah, parce qu'en fait, oui, d'accord. En fait, je peux commencer par où je souhaite, parce que l'autre portail, je l'ai pas activé. Oh, mais ta mère, le jeu, sérieux, quoi. Le jeu qui replante, quoi. Putain, mais ce jeu, il est fini avec un cul. Ah, mais y a pas que le jeu aussi qui a planté, y a Steam complètement, en fait. Voilà. Très bien ça. J'aime. Alors, un petit tour dans le... Il plantait jamais sur PlayStation 2. Bah forcément, il est sorti sur PlayStation 3. Ça va ou quoi? Mais à chaque fois que j'arrive dans la temporalité comme ça, ça bug. C'est incroyable. Pardon, ce sont les graphismes. Pas mal. Je relance le jeu. Chut.
Non, mais je sais pas pourquoi. Je veux peut-être réparer le jeu aussi. Peut-être y penser à réparer le jeu. Peut-être qu'il s'est mal installé au final. Je regarderai. Final Fantasy 13-2. Ouais, bah, le résumé, on s'en fout un peu, hein. Vous savez. Ok. Allez, 5 ans après Jésus-Christ. C'est parti. Fix sur Twitcher. Réparer le jeu de ton PC, ton Steam, ton Twitcher. On a fait tout réparer. Mais je pense aussi qu'il faudrait souffler le PC. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas été soufflé. Et là, il est essoufflé. Il doit avoir une couche de poussière dedans, mon pote. Ah, t'as peut-être raison. Si je mets le bikini, ça réduirait peut-être les crashs. Très bien. Faisons comme ça. Exactement. Ensemble de plage. Boum. Voilà, là je suis sûr, ça plantera pas. Oula, il y a de la poussière ici. Alors, est-ce qu'on peut passer là-bas? Bah non. C'est trop drôle. Putain de merde. Mais la vraie question c'est le coffre là-bas qu'on pouvait pas accéder. Est-ce qu'on peut y accéder maintenant? Ah mais on peut voler. Enfin on peut voler, tout est relatif. On peut planer. Comme avec Yoshi. Ah, y a des ballons Blitzball. Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux que je te marche dessus ou quoi? You're responsible for solving the mystery and deactivating Atlas, I hear. I appreciate that, but I'm sorry. Our hands are full. We always have room for another key with our budget increase. Ouais, donc là, on fait comment? I hear you were able to deactivate Atlas. I've always... Well, that's good to hear. Ouais, bah, ça me dit pas, gros, comment on fait... Lance le mug, ouais, mais on peut pas le lancer ici, le mug. J'ai pas encore la faculties. J'adore faire du chocobo. Ah oh. Donc il y avait un autre portail là-bas si je ne m'abuse. Yes I. Chocobo. Ouais, j'ai de quoi l'activer le portail. Mais est-ce que j'étais au bon endroit là? Mais non, pas du tout, c'est pas par là. Putain, je me suis trompé de tunnel. C'est par là. La musique du chocobo sous LSD. It's huge. Descendre. It's huge, like my dick, bro. Je sauvegarde, bro. Parce que ça pue le cul là encore. Ça pue le plantage. Artefact retrouvaille. That did it. Do
What the fuck? Sarah? Tell me you're having visions. Oups, pardon. Oh, no. Just staring into space. Oh, what a monster. Okay then. Let's get going. Okay. J'ai débloqué une autre temporalité. 300 300 après Jésus-Christ. Et si on allait au-dessus, au Mont Yasha? Human society continues to develop. Machines once run by the Falci are now powered by human technology. Driving the progress is the Academy, which has grown to take a leading role in affairs of state. Under its young leader, the Academy is working to solve the paradoxes that warp the surrounding space-time at the heart of the distortion. D'accord. Le lore de FF5 se déroule avant JC. Oui. Juste avant JC. Juste avant Jean-Claude. People always say the future will be better. They believe the hardships of the present fade with the passage of time. And so we hope, waiting for a future brighter than today. But Sarah, remember this. As you walk towards a brighter tomorrow, you have to look back to your past. Episode 3. The path you have walked to reach the here and now will give you the courage you need to hope. It's so dark. In ancient times, the Falci devoured the light, darkness cloaked the sky, and the earth knew only night. This must be the eclipse. You know what this is? They said 500 years ago, a massive Falci appeared. For a while, it blotted out the sun and turned everything dark. Ah, c'est l'éclipse de... Oh, c'est sympa d'avoir pensé à ça. 500 years in your past, then this must be 200 years in my future. Right. But something's wrong. Look, the eclipse is only affecting this small area. That shouldn't be possible. Okay, so you're saying this could be a paradox? That's what I'm saying. Huh. This reminds me of stories we heard, that there used to be a great city on Grand Pulse. I bet this is what these ruins are. What happened to it? No one's been able to figure that out. We were more or less locked up inside Cocoon. We never had much opportunity to learn about the world below us. Our scientists have only just begun to study the mysteries of Grand Pulse. Qu'on est où est-ce qu'il y a Vercingétorix par rapport au 13. Non. Coupo. Coupo. Qu'est-ce qu'il a vu? Ah, j'avais pas vu ça. C'est après Jésus. Brassard métallique. Qu'est-ce que ça donne le brassard métallique? Ok, résistance à fragilité. Ok. Donc là-bas, nous ne pourrons pas y aller. Mesdames et messieurs. En tout cas, c'est beau. C'est bien d'avoir pensé à l'éclipse avec Cocoon. Hmm.
Hello, are you here to observe the facility? I can answer any questions you might have. Ah, yeah, perfect. I do have some questions. Where are we? And what year is it? Wait, you can't just... What? No. I'm just... Yashas Massif, 10 AF, sir. 10 AF? So nowhere near 200 years. I must say, this is the first time anyone asked me what year it was. I don't suppose you happen to be time travelers? Well, Koopa? Ah, yes, I almost forgot. I'm supposed to hand out this map. Take it, it's free. D'accord. Ils n'ont pas trouvé autre chose, les développeurs, pour avoir la carte. Même un coffre, ça aurait été mieux adapté. Keep your wits about you. There's no telling what kind of monsters the Paradox. You said the Paradox. Are you talking about the eclipse? Yes. The great Falcee, Fenrir, blocked out the sun. It was predicted he would appear 200 years from now. Which means? Which means his appearance now indicates some sort of time distortion, right? Ouais. L'éclipse résulte de l'apparition prématurée de Fenrir. Qu'est-ce qui explique son arrivée? L'apparition des portails temporels, une invasion de Falcee, une erreur de calcul, la Falcee voulait rencontrer quelqu'un. Je pense que c'est les portails. But the eclipse is only happening here, right? Maybe all these gates that appeared are causing the distortion. There's more than one gate in the ruins, isn't there? Ah, you've done your homework, I see. Yes, we've found multiple gates in the site. Figures. Some areas may still be sealed off. We've yet to determine if those sections are safe. Bah yes. Du coup, j'ai la carte. Ah, là-bas, c'est les ruines, je me souviens. Mais ça a changé en fait. Disappearance is no need for panic. It's our job as scientists to figure out what's behind this mystery. We'll never be able to go back to our ordinary lives. Okay, là c'est fermé, mais de toute façon y a rien de l'autre côté. This darkness reminds me of days from the past. I thought I was going to be assigned to a research lab. Mais du coup là le coffre là en terre, on peut pas y aller. Some are worried that the academy will take its advanced ideas too far. I hope this doesn't lead to an outright revolt. OK, il y a une étoile de la mort là-bas rouge. Yes. C'est trop bien. Maintenant que j'ai 5 ATB, c'est long. C'est grave long. Après, je connais pas leurs points faibles aussi à eux. Des os brisés.
Oh merde, le Behemoth qui rôde dans les ténèbres de Mont Yasha souffre d'une profonde aversion pour la lumière. Si vous rencontrez cette créature redoutable, courez vers la zone éclairée la plus proche et attendez que l'horloge Mug repasse dans le vert avant de préparer votre prochain déplacement. Les monstres n'apparaissent pas si vous restez dans la lumière des projecteurs. Ok. C'est compris. I recommend walking along the path of the searchlight. Most monsters hate light and will do. Ok, c'est Splinter Cell. Splinter Cell Final Fantasy 13 édition. Après moi ça me dérange pas de combattre hein. Clairement pas. J'ai besoin de pecs les gars. D'accord, Behemoth. Go! Ok, la bébête est morte. Wow. Oh merde, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Allez, il est vénère en fait. Allez, super. Comment on fait pour fuir? Autant crever. Voilà, très bien. Ou alors il faut que je passe sur un tank. Oh mais ça sert à rien, le combat va durer éternellement. Oh non. Non, je pense que je vais éviter les Behemoths, ça sert à rien. Là-bas, y'a quoi? Allez hop, des sous. Ah! Mais à quel moment? Ah non, non, j'y suis pas. Non mais qu'est-ce que tu fais gros? Arrête, tu vas te blesser. Merde. Des éclats de magie. La lumière s'il te plaît. J'entends les coffres. Là-bas, il y a un beau coffre là. Un très très beau coffre. Là, c'est la merde maintenant. C'est la merde. Trop tard, on se recommence à bloquer. Yes! Oh
Oh, la projection, le one shot, putain. Ça sent le cul. Ouais, ça sert à rien. Non, mais non. Finalement, non. J'ai eu cette impression de m'en sortir, mais non. Pas du tout. Tablette de Padlo. Vite. Hop là. C'est non. C'est pour revenir, monsieur. Saut cicatrice. Fait pour monter. There seems to be a rift between the ones who stayed on Cocoon and the ones who moved to Pulse. J'ai peur, hein. Mais arrête. About their work. They're working just as hard as ever, even in the dark. Speaking of passionate, I'm the most passionate person I know when it comes to making a living. And on that note, please peruse my passionately promising pick of pieces. Qu'est-ce qu'il fait, Noël, derrière, hein? Il fait des gestes avec ses mains. Yes! De nouvelles armes! C'est exactement ce qu'il me fallait. Ah oui, il y a une belle différence quand même. Perce lune. Et Brandon. Brandon Ardent. Accessoires, une poignée de force. Marque de mage. Mais ça, je suis amoureux de ça. Moi, il me le faut, ça. Hop. Ah, il revend des, elle vend des catalyseurs. Bon. I know it's a little dark in here, but I paid my electric bill, I swear. Ah, c'est trop drôle. Ah, ouais, une arme rose qui suit avec le bikini. Parce que c'est important d'être swag. Ouais, de la magie. Moi, j'aime bien la magie. Et toi, tu vas prendre Brandon. Ah, ça suit bien avec le bleu de sa tenue. Et tu vas prendre la poignée de force. Ouais. Un petit tour dans le Crystarium, même si je me fais défoncer depuis tout à l'heure, donc bon. Ruine 2, c'est exactement ce qu'il fallait. On va mettre des points en défenseur. Voilà. 4 sites. 4 sites, est-ce que tu peux. Oui, éclat de magie. Boum. C'est bon. Le mini-droïde.
Ah, évolution. Bonus ravageur au segment ATB. Un petit bonus à ravageur. Yes. Voilà, hein, je pense qu'on est bon. Peut-être le cristarium de lui, mais bon, je sais pas si je vais l'augmenter parce qu'il sert pas à grand chose en fait. Alors, on repasse sur le rôle, voilà, hop. C'est bien, hein, saboteur, mais là, à ce niveau-là, il est un peu à chier. That building over there is part of the Padre ruins. You should take a look around if you haven't. Oh putain, on dirait qu'ils ont construit sur leur mine. On sent arriver, ouais. Ouais. Ah, ça va, ça va, eux. Eux, on peut y aller tranquillou. Ah, ce sont des soigneurs. Bah du coup je l'ai capturé, Spirante. Giles. Fais voir un peu le Spirante là. Régulier rentable poisseux. Compétence de soutien aubaine rare. Ah ouais? Soins améliorés, résistance magique. Ah ouais? Et toi t'as quoi? Sans multiple. Ouais, je vais pas le prendre. Des Pokémon ici. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? This area is closed off because of the powerful paradox effect. We don't know much yet, but we do know it's dangerous. There are two questions. Why is the eclipse happening now? And why is it happening right over these ruins? J'avoue, t'avais marre de jouer des tours, la solution est dans les ruines. Une invasion d'un autre monde. La solution est dans la ruine. Maybe there's something important hidden here. The legends say the Falci was looking for that which was lost. Could be the thing it's searching for is in these ruins. Then I guess we better start searching ourselves. Ok. Qu'est-ce que c'est? Des gros oiseaux. Oula, il était spécial lui. Il est différent. D'accord. Putain, mais elle est partout, elle. C'est une blague, cette femme. A little darkness can't stop me. I light up the room with my luminous character. Alors en armes
Pourquoi je peux pas les acheter? C'est marrant ça que je puisse pas les acheter. Ça c'est bon, catalyseur, je m'en fiche, bracelet d'argent. Ok. Et si on vendait des choses? Toujours les mêmes blagues. Are we not allowed to go inside? I'm very sorry. Only persons on official academy business are permitted beyond this point. Oh. Bah yes. Et voilà.
Il a quand même une tête de gamin. When monsters like these are cornered, they cause a space-time vortex to appear. An electromagnetic shock usually shuts them down. It's been a while, Sarah. Hope-a-bubble? Is that you? I'm grateful you remember me. Who's this? Director of Academy Research, Team Alpha. Hope Est, I'm at your service. And you, you must be Noel. Nice guess. Who told you? You appeared here with Sarah some years ago at the Brescia ruins. Subsequently, we analyzed the gate and forecast your reappearance at this location. To be honest, I didn't really believe that time travel was possible. But here you are. I'm really glad you're safe. For me, it's as if time has stopped. Everyone I knew is gone. From your point of view, it's been years since you last saw Sarah. Not just Sarah, Snow as well. And Saz and his boy. You all disappeared from my life. It's been 10 years now. I never thought... When the paradox occurred some years ago, I thought if I could solve it, maybe you would all come back. Director, help! There you are! What were you thinking? Taking off and leaving me all on my own. Okay. It was a shock seeing Hope grown older than me. But he was still the same Hope I knew. Lightning, Hope listened to my story without saying a word. I told him about how I'm the only one who remembers your smile on the plane of Grand Pulse. I told him about how Snow set out to try and save you and Finil and Fang. And I told him about Noel. Noel from the future. There's something I want to show you both. We can continue our conversation as we walk. I'll show the way. Calme-toi. Calme-toi. Tell me, Hope, what made you join the Academy? A sense of duty. Finil, Fang, Lightning. They turned to crystal so that we might live. It was an enormous sacrifice. My sister and the others. I think they wanted to preserve life. C'est quoi ce bordel, j'entends un they gave us a chance to live again. I'd like to see some evidence of the gate's properties. I can't help but worry about my cat at home. Okay. I'm looking forward to a big discovery soon. On va visiter un peu, mais d'abord on va distribuer les points. Ça fait plaisir. Et ça fait encore plus plaisir. Yes, stade d'évolution. Alors, bonus ravageur, rôle saboteur, tacticien, soigneur ou 20 points d'accessoires. Pas du tout. Un petit tacticien, je pense qu'il me faudrait. Ou 20 points d'accessoires. Accessoirement. Tacticien, c'est pas mal. Merde, maintenant il faut 350. Oh bah super. Allez, on continue. Vais-je y arriver? Eh oui, évolution.
Bonus attaquant, bonus défenseur, rôle saboteur, tacticien, soigneur, on va prendre un accessoire. Je pense qu'on va prendre un saboteur. Ouais. C'est bon. C'est bon. Oh, je peux améliorer. Mais je peux plus améliorer. Toi tu peux pas. Toi j'ai pas envie parce que t'es nul. Alors familier, on va l'enlever, c'est celui-là je pense. Ouais, ou bien on va le laisser, je sais pas. Alors, les rôles, il faudrait que je refasse tout. Tacticien, défenseur, soigneur. Ravageur. Ravageur, attaquant soigneur. Attaquant. Je sais pas si c'est utile l'agression au final. Ouais, je vais le mettre quand même, mais bon. Toi là, saboteur. Faudrait un attaquant. Il manque un attaquant en fait. Il manque un mob attaquant. Mais attaquant, mais je comprends pas une seconde. Ensuite, double défenseur, soigneur. C'est très très bien ça. Voilà. Là, je pense qu'on peut avoir une bonne compo. Je pense. Hein. Je sais pas. C'est quoi ces trucs là? Normal, concentré. Les personnages se concentrent sur une seule mais même cible. Zone. Les personnages favorisent des actions de zone à effet. Ok. Celui-là, ça peut être sympa pour les effets de zone. Normalement, la sortie normale de leur rôle. Ok. Par contre, agression. Concentré. Ouais, ça me paraît con. Ça me paraît bon. Ça me paraît con aussi. Fragment, j'ai encore un truc de fragment. Ouais. Petite sauvegarde. À la recherche d'objets. J'entends un truc, mais je le vois pas. C'est drôle ça. Il y a un passage ici, ok. Days I can't help but wish I didn't have to be at work. I suppose that's not an issue anymore. Oh, sympa la statue. Ah, d'ailleurs, il y a un truc ici. Et je suis censé le récupérer comment? This is a foul seed that was uncovered in the ruins. Seems the entity. We've tried analyzing. Figurine Carbuncle. C'est vrai que j'ai pas regardé les ornements pour les monstres. Ça sert à rien, mais c'est tellement drôle.
Ah yes. Bah c'est super. C'est moche. This darkness reminds me of days from the past. Have our special guests shown up yet? Ah, y'a un truc là. Come on, Mom. Saut sérénité. Mais je sais pas c'est quoi le saut. J'ai oublié c'était quoi l'utilité. Ouais, bah je ne sais pas. I've been waiting so long to meet you. You two are the reason I've... How long has it been? 5 years? You two haven't changed at all. I hope not. And here we are, meeting in ruins again. Ruins are places where... Memories gather like dust. So many layers of time. Probably the easiest place for a paradox to occur. They put the future in our hands. We're in a position to build a society based on human technology. No longer subject to the whim of the Falci. That's the gift we've been given. I need to pass. Guests of yours, Director? Watch your step in there. Thank you. The time distortions spawn hostile creatures. Until we can resolve the paradox, we need military force to repel threats. These armed patrols are essential for our safety. It's already been 10 years since the incident on Cocoon. Ruckus, what's going on? What happened? Il a repéré quoi? Ah 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 ah, j'avais pas vu, j'avais pas dû. Yes, tout ça pour ça. Talisman enchanté. Ah, c'était un bijou. Saut de sérénité augmente les restances de l'altération. Super, super. Hop, voilà, comme ça c'est rangé parce que c'est le bordel. You know, I wish you'd said where and when you were from the last time we met. It's hard to believe it's really been 10 years. So much time has passed. Alors, après avoir revu Serra, Hop semble perdu dans ses souvenirs. De quoi lui parle... De quoi lui parlez-vous? C'est... De quoi lui parlez-vous? C'est pas français? De quoi lui parlez-vous? Tu hors de ma vue. Putain, c'est de la merde les courses. Comment les gens font pour y aller souvent? Bah ils font comme moi, ils envoient leur femme. Si c'est français, de quoi lui parler? De quoi voulez-vous lui parler? C'est mieux. De quoi voulez-vous lui parler? De quoi lui parlez-vous? C'est... Derwin, de Lightning, de Snow, de Saz. Parler de Lightning pour voir, comme ça ils sont encore plus perdus. Do you still think my sister is trapped inside that crystal pillar? I always had doubts, and it wasn't just me. Saz had them as well. Really? Saz too? Yes. He couldn't believe that Lightning would just up and leave Serra like that. After all, she was the one who said we shouldn't face things alone.
that we should stick together. Moi j'ai pas de femme. Bah écoute. Any records of their culture or lifestyles. Allez là, avec ton petit bikini là. People used to live here. This place is off limits to the public. Even authorized personnel need a permit for access. What did the inhabitants do for food? I'm glad to see you're doing well, Sarah. Bah vas-y, on va parler de Saz maintenant. I wonder how Saz and little Dodge are doing. We've been out of touch. Saz took Dodge to live on Grand Pulse, and he was flying airships the last I heard. Then suddenly they both disappeared. I searched everywhere but never found them. Look at us. All gone our separate ways. Yes. And I can't tell you how much it means to have you here now. Saz and Snow may have set off on different paths, but I've started to think that, in the end, we're all headed towards the same goal. I wonder how the others are doing. Ouais, fais voir. So Hope, have you heard anything from Snow? Nothing, I'm sorry to say. Not a single word. Not since he left on his mission. No sign of him for 10 whole years? Sounds like we're not the only ones traveling through time. You might be right. Considering Snow's uncanny ability to find trouble, he's almost certainly aware of these temporal aberrations. I wonder if we can make the gates. OK. En fait, c'est pas un choix multi, c'est pas libre de choix, c'est juste on va devoir tous les faire. Marquez pas libre de choix les gars. This is some kind of ancient city, right? The city of Padra, or so we believe. It was the center of a great kingdom built by a nation known as the Farseers. The Farseers? You're telling me there used to be enough of them to build this entire town? Hmm. According to our research, we believe they constituted an entire nation. A polity that was ruled by a Cirrus. C'est quoi les paroles? La la la! La la musique. Can you see me now? Standing here in this place. La la la. La la la. So this nation, Padra, their leader was a Cirrus, right? Meilleur OST du jeu. Yes. Meilleur OST du jeu. See the future. C'est un mur ça, oh, attention. You. Ouais, donc Nobuo Uematsu était vraiment sous LSD pour les OST du 13-2, hein. Nobuo on drugs. Comment faire une musique qui n'a pas besoin de traduction? Ah, à vrai dire, je sais pas si elle dit nanana ou la la la. Ou la nana, la nana. Je sais pas. Ça mérite un vote. Est-ce que ça change quelque chose? Ouais, je sais pas. Je sais pas si je vais dormir ce soir. C'est ridicule. Here. Et là, pouf, il lui fait un vent et elle tombe. Thanks. You've traveled through time. I suppose it's not surprising you know about these things. The power to rule was passed down from one Cirrus to the next. She was always called Yule. Yule. If they could read time, why did they die out? Surely they could see the danger coming and do something to avoid it. No, they were destroyed because they could see the future. Non, parce que c'est ceci ou c'est pas cela. Yule foresaw the future destruction of this city. Some citizens wanted to try to avert the disaster. Others felt that they should simply abandon their homes and run. A few fell into despair and took their own lives. The divided populace clashed. The nation was torn apart by civil war. J'aurais préféré des paroles, je pense. It can mess with people's heads. Ou pas de paroles en fait, juste rien, juste le son. The nation fell apart.
and the survivors fled into the wildlands, avoiding contact with others. Huh. So you know the story. Oh! Come on, Director Hope! I want to show them! It's okay to show them, isn't it? Calme-toi. This way. Mais calme-toi. Here. This is what lies at the heart of our paradox. The Oracle Drive. We've been giving it careful study. But how did you... Wait. You know of these devices? Oh, well, yeah. I've heard of them. In books and stuff. Ouais. Ouais. The Oracle Drive appears to be some kind of recording apparatus from ancient times. We've excavated a number of the devices. However, the recordings depict things that cannot be possible. Perhaps you should see for yourselves. This is how it works. D'accord. Hey, what the fuck? Excavated from an ancient part of the ruins. We use carbon dating methods to determine age. The device and the recording stored within are several centuries old. But it shows lightning. Someone in the past recorded this vision of the future. Perhaps it was the Seeress Yule herself. What we're concerned about, however, is this. You'll have to excuse the image quality. Yes, I think so. We need to conduct further analysis to be certain. Is it broken? No. We've tested both device and data, and everything is nominal. Yet, when we try to view the recording, we get this. Perhaps it's not the recording that's broken. It's the immediate space-time in which we are located. Mm-hmm. You mean it could be the paradox? Because the surrounding space-time is twisted, that might be directly affecting the device. So, if the paradox is eliminated, space-time will return to normal. Then we could see the prophecy and find out where my sister is. Yes, I believe so. Right. Here. An artifact! This object serves as a key, is that right? We try to make it work ourselves, but with no success. Yeah. We can use that to travel across time. Then you may C'est have... le bordel, hein. I think it'll be far more useful to you than us. Here. Artifact du néant. During the years that passed as we traveled outside time and space, Hope had devoted himself to his research, trying to unlock the mystery of the paradox. If the gates are the cause of the puzzle, they might also be the key to unlocking it. But I wonder, am I getting closer? Will I find Oh non, pas la la la. Time to find that gate. It was in the ruins. Mais pourquoi? Non, c'est sûr, c'est pas l'œuvre de Nobuo, ça. Non, 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 des la-la-la comme ça, c'est pas lui. Il fait pas des trucs comme ça, lui. Il fait pas des la-la-la, je suis désolé, c'est de la merde.
found traces of what looks like a large-scale battle in these ruins. They must have been fighting monsters. The thing is, the scratch marks suggested they were inflicted. Okay. I think I'm a bit jealous of you, Sarah. You can travel to the past or the future, and if you find somewhere you like, you can just stay there. Huh. I've never thought of it like that. I've been so... What? You understand why I wanted to show you the Oracle Drive? I think I do. You've been looking for like... Yes. It's not much of a clue, but I thought you should see it all the same. And I wanted you to see how far we've come. Ok, hop, analyser le lecteur d'oracle et les images où Light semble apparaître. Pendant ta ruine, comment fonctionne le lecteur d'oracle? Qui était la prophétesse? Tu connais Valhalla? Non, juste comment savoir comment ça fonctionne. How were the images in the Oracle Drive recorded? Did someone film lightning in the future? Oh no, these were not produced using a camera. The images were seen. We believe the visions are recorded by someone in sync with the device. Is that even possible? They may have been assisted by a falsi. D'accord. Still barely scratched the... Oh, puis c'est OST, vite, faut vite se barrer là, j'en peux plus. Oh là là, c'est une musique de suicidaire. C'est où la sortie? La la. Voilà. Ouf. Plus de tralala. Ok. Qu'est-ce qui t'arrive? The creatures that appear due to the paradox are so that whatever the case. A little darkness can't stop me. Alors, qu'est-ce que tu me vends? Rien de nouveau. Oh, il lui faut des matériaux, il lui faut des os brisés. Il lui faut des écailles humides. Au final, c'est des objets de merde. Et en accessoire... On va essayer de faire plus 1. On va essayer de faire moins 1. Pourquoi? Pourquoi? Ah oui, pour... D'accord. Pour pouvoir l'équiper, d'accord. Ah oui, putain, les accessoires, ça va être de la merde à faire. I know it's a little dark in here, but I paid my electric... Allez, tout droit. Bah, super. Ah oui, zone et... Voilà, ça dégage. Ah, j'ai capturé Gaonga. Gamonga. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un tacticien. D'accord. Toujours bon à savoir. Toujours bon à prendre aussi. There's no way I could live in a place like this. It's open. There's a considerable time speed. Par contre là-bas c'est toujours fermé. D'ailleurs maintenant c'est refermé. Le Mog a des ailes, il vole et pourtant il saute. What the fuck? Ok, il est temps de sauvegarder, ça sent le plantage. Je... Putain.
Putain, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase! Mais c'est une blague. C'est vraiment une blague ce jeu, non? C'est vraiment une blague! Ça fait déjà deux fois aujourd'hui que j'ai même pas le temps de finir ma phrase. Le truc il fait bon, non, je plante maintenant! C'est la phrase magique, c'est maintenant! Ça va, vous avez le retour ou pas? Oui, vous avez le retour. Par contre, j'espère que je vais pas être trop loin. Dernière sauvegarde, 18h42. Final Fantasy 13-2. Ouais, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Et je vais quand même pas devoir me retaper. Human society continue. Il va se taper une réparation dans la gueule ce jeu. Et je vais regarder, je vais googler aussi pourquoi il plante, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il plante au tas. Limite ça aurait mérité un clip, tellement c'était synchro. Bon bah yes, on va se retaper tous les dialogues. Mais en fait non, on va pas se les retaper. Here. The device was ex- voilà. On passe hein. On passe. Yes. During the years that chut. Ça va me forcer à sauvegarder régulièrement cette merde. You understand? I think I do. Yes, it's not much of a. And I wanted you to. How are the. On passe. We've still barely. Oh non, pas la la la! I think of it. You can travel to. Huh. Allez, on sauvegarde ici. On peut pas y aller. Vite, c'est pour échapper au la la la. Oh là là. Voilà. Non, parce que là, c'est non. D'ailleurs, pour échapper au la la la, on sauvegarde ici. C'est Jojo Bernard. Attention. Here. This must be the gate Hope was talking about. Maybe. Yeah. What? There's something on your mind. Yeah, well, sure, but it's just personal stuff. Alors, le mog, non. Ok, pas de question. La prophétesse, le lecteur d'oracle. Le lecteur d'oracle, il a mal réagi. Souvenons-nous. Is it the Oracle Drive? I guess you could say that. Kind of. But not exactly. In that prophecy, it really was lightning, wasn't it? Well, we can't be sure of that. Okay, let's solve this paradox and find out. Sound good? On va peut-être habiller Sarah. Something had been bothering Noel, and it had been ever since we heard the story about the Padre Cirrus Yule.
Of course, he wasn't the only one who was troubled. Was it really lightning I saw in the flickering images of the prophecy? The only way to find out is to go through this portal and solve the paradox. Super. Une potion. Ok, 200 après Jésus. Ou alors on part sur 300 après Jésus. Je pense qu'on va suivre la continuité. Ouais. Ever, Grand Pulse. Werebug en plus. A land that bears the scars of ancient war, where flakes of crystal. Ok. C'est la porte des étoiles. Par contre, 200 ans après, bah là, il n'y a plus personne, hein. Tout le monde est mort. What? Le monde s'effondre. Is this a future where everything has been destroyed? Or is it a distant past before the world has even come into being? Space-time has doubled and twisted on itself. The past and future are tangled together as one, Kapoor. Paradox is affecting space-time itself. Right. And we have to find out what's causing this. Mm-hmm. Okay. C'est vrai que... On va rhabiller Sera, parce que là... Parce que là, sinon... In a world abandoned by the Fal Sea, the one... Who are left behind craved nothingness, an empty world. Where did you hear that? It's just. Oh, c'est marrant comment le ciel est arraché. Qu'est-ce qu'il a vu? Abîme du temps. Oh non, oh, le retour de labyrinthe de merde. Space-time, the past and future intersect. I bet if we solve all these puzzles, we could dissolve the current paradox. Bah écoute. Now you're thinking, génial. Le mog, on dirait une pop. Vous vous échappez lorsque vous êtes à proximité d'un cristal, maintenez A pour dire où. Quoi? Vous voyez, les cristaux en forme et de même couleur. Lorsque vous êtes à proximité d'un cristal, maintenez A et dirigez-vous vers son jumeau afin de les connecter. Une ligne lumineuse suivra le déplacement. D'accord. Est-ce qu'on aime ça? Non. Je capte pas. Y'a pas de rouge, y'a pas de rouge. Jaune, rouge, jaune, non. Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Jaune, jaune. Qu'est-ce que c'est que ce mini-jeu de mort? Suivant. J'ai rien compris à ce que j'ai fait, mais c'est réussi.
Ah ouais, va falloir avancer comme ça. Bah génial. Nostalgique. Yes. On va sauvegarder. On va faire ça très 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 souvent maintenant. Ok, j'entends encore un coffre. Attrapé. Un Cleon. On va repasser sur une strat standard. Tu veux quelque chose mon ami? Par contre ici il y a un petit passage. Pour des potions. Bon, à mon avis, en bas, c'est mort. Eh, mais c'est le robot. Ça veut dire qu'il est encore. Ah, ils ont pensé à le remettre. Suite. Bargains everywhere. Alors, elle vend rien en armes, c'est incroyable.
des affaires. Ah oui, c'est des vêtements, ça sert à rien ça. Ah mais il y en a plusieurs de robots. Ah non, chez Icerat c'est le mob. Ah, ils sont déjà niveau 2. Il est saboteur et lui tacticien. D'ailleurs c'est sympa qu'il soit déjà niveau 2. Allez, un petit tour dans le Crystarium. C'est rare, on va lui augmenter... augmenter tacticien. Sinon ça servira à rien de l'avoir débloqué. Et toi je vais débloquer saboteur. Tac. Le plan de Werba, bah il était temps. Attendez, il y a un truc qui sort le pas, c'est obligé. Pardon? Un combat? C'est un truc là, mais je sais pas quoi. Ah oui, mais c'est machin qui lance des ruines tout à l'heure là. Ça démonte des culs par contre. Yes, une lampe de sif. Musique bizarre. Vision, je sais pas à quoi ça peut servir. On va aller voir si on n'a pas raté quelque chose derrière. Ce qui me semblait. D'ailleurs, j'ai toute la carte, mais j'ai pas. Là-bas, j'ai pas visité.
mal hein mon pote. Poignée de force, c'est toujours plaisir. J'entends un coffre. Exact. Je vais quand même pouvoir faire évoluer là, à force de dropper des trucs là. Bah ouais. Hop. Le petit droïde là, niveau 20, qui est déjà niveau 20 d'ailleurs. Ok, bon, c'est pas grave. Par contre, j'ai toujours pas d'attaquant. C'est gênant. C'est gênant. Go, Mogabell! J'aimerais voir comment on fait pour aller en dessous. Voilà. Good work, everyone. De toute façon, il n'y a jamais assez d'XP. Ça, à mon avis, on pourra seulement y aller. Ouais. Pas maintenant. Allez, ça dégage. Ok, petite sauvegarde. Avant l'épreuve de merde. Ça me saoule déjà. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok. Là-bas. 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 Merde. Raté. Là. Ok, raté. Là. Ok, là. Et voilà, une croix gammée. Super. Super.
Ah mais c'est la phase 2, mais c'est génial. Oh mais c'est trop bien. Mais quel... mais... le fun. Non, ça je m'en fous. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas si dur que ça. En vrai. Y'a pire. Ils auraient pu me donner un objet quand même. No problem. Hey, we did it. Bah, voilà. I knew you'd do it, Koopa Koopa. Et Koopa Koopa, c'est... On peut pas le manger là, le mug là. Petite brochette de mug, bim bam boum, ça part au four. Mais tu passes là, tu passes. Pas y aller. Je ne comprends pas. Trésor, mais abruti quoi. Marque dommage. Ça fait 100 en moins à acheter, ça fait 100 en plus à vendre. Ça dépend comment on le prend. Mais là, clairement, on peut y aller là-dedans. Mais comment on fait? Expliquez-moi s'il vous plaît. Putain, je vais devoir les combattre. C'est pas les pires, hein, mais c'est chiant quoi. Ils sont chiants. Bon. Y'a un truc, non? Oui, y'a un truc. Mais mort de rire. Et j'ai même pas vu c'était quoi avec la caméra de merde. C'est affolant. C'est l'enfer. Exact.
Et au-dessus, il y avait un truc. Ok, très bien. Comment je fais pour y aller? Oh ta mère! Lâchez-moi le trou de balle! Des choses pas mal, je trouve. Bon, alors, où est-ce qu'on en était? Non, la blague. La blague. Je suis mort de rire. Pas du tout comme ça qu'il faut faire. Par hasard, vous qui avez déjà fait le jeu 1000 fois. Putain, mais quel abruti, je tape à côté, bordel. Mais pas du tout. Bon bah écoutez, on va sauvegarder. Ok, bon, on va faire le combat et on va sauvegarder. Et on va se laisser là, puis on verra ça demain. L'altération d'état. Die fast, please. Hop. Putain, tout ce que je drop, c'est incroyable. Crystarium, Sera, tacticien. Hop, elle apprend barrière. Lui, on est en saboteur. Fragilité, ça c'est bon.
Ok, bon, Catsite. Catsite, le problème, c'est qu'il veut... Il veut des trucs rares, en fait. Lui... Lui, j'ai plus d'objets pour lui. À la limite, est-ce que j'aurais un deuxième sabot... Un deuxième ravageur? Un ravageur de type glace, là. Lui, là, quoi? Glace, feu, glace, c'est un soigneur, tornade, bravo. Bah écoutez, on va prendre un type glace, je pense, ou un type feu. Pas en fait, non, on va juste garder nos objets. Voilà, on est bon. Hop, une petite sauvegarde rapide, boum, et voilà. Bon, allez.